Ne comprends pas. D'où sortez-vous cette histoire maintenant Qu'est-ce que tu ne comprends pas, fils Quoi Que tu es marié depuis déjà cinq misérables années sans enfant Oh, que tu es finalement devenu un futur roi sans héritier. Lequel des deux tu ne comprends pas Eh bien, fils. Qu'on essaye de te dire, c'est que... Avec toute votre intelligence, en ce 21e siècle de maturité, papa et toi pensaient que cinq années, cinq années sont trop longues pour que ma femme et moi ayons un enfant. Odinaka, cinq années peuvent ne pas être trop longues, mais elles sont trop longues pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y a un problème? Ta femme a-t-elle un problème Y a-t-il quelque chose que tu voudrais nous dire Dis-le maintenant. Sinon. Sinon quoi Je pense que tu dois commencer à chercher notre femme. Je ferai comme si je pas entendu cela. Oh oui, tu l'as bien entendu. Tu l'as très bien entendu. Et ça, c'est l'unique solution. Avec tout mon respect, je ne comprends toujours pas. Odinaka, mon fils, écoute, nous avons déjà perdu toute patience avec toi dans cette histoire. On est sur le point de perdre notre héritage. Et ta place de futur roi du royaume d'Oumozé. À moins que tu ne donnes un héritier. Nous savons tous qu'un homme sans héritier ne peut devenir roi dans ce royaume. Je le sais. Je sais tout ça. Oh, c'est vrai. Oui, je le sais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça Quels sont tes plans Si tu en as un, partage-le avec nous. Nous t'écoutons. Akuido et moi sommes mariés depuis cinq ans. Cinq bonnes années. Vous ne m'avez jamais dit que vous avez un problème avec ça. Alors, pourquoi maintenant Que se passe-t-il Que s'est-il passé Odinaka... Tu penses on n'a pas si entendu Je veux juste la vérité. Toute la vérité. Tu veux vraiment connaître la vérité. La vérité. Oh. Ozo Kogo, qu'est-ce qui se passe encore Ne veux-tu pas au moins entrer et t'asseoir Ai-je l'air d'un homme qui est d'humeur à s'asseoir Oh, tu m'inquiètes là. Quel est le problème? Confie-toi à moi. Vous devriez être inquiet. Vous devriez être inquiet. Oh, ben coco. Oui. Pourquoi? Un roi qui n'a pas d'héritier pour le trône devrait être inquiet. Ah, oh, mais j'ai un fils. Vous avez un fils, mais vous n'avez pas d'héritier pour le trône. Mais, 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 mais Ozo, qu'est-ce que tout ceci veut bien vouloir dire? Votre fils est marié depuis des années. Mais il n'a pas encore de fils. Et, et c'est la raison de tout ceci? Ezeo Kitele, un homme qui n'a pas de fils, ne peut être présenté comme héritier du trône. Oui, je le sais. Vous savez que dans le royaume de Moise, c'est la tradition. Aelumi Bo. Un homme qui n'a pas de fils ne peut pas être un ancêtre. Ça, je le sais aussi. Un homme qui n'a pas de fils ne peut être un ancêtre. Il ne peut être présenté comme héritier du trône. Eh bien, il a encore du temps. P Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça maintenant? <laughs> Tes jours sont comptés. Quoi euh, euh, Pardon Qu'est-ce que tu as dit Vos jours sont comptés. Mes jours sont comptés. Je vous conseille d'utiliser tout votre pouvoir de roi pour forcer votre fils à faire un enfant. Je ne peux pas être plus clair que ça. Mes jours sont. Sans... Mm -hmm. Mm -hmm. Et... Mon roi. Ah, ma chérie. Qu'est-ce que tu as ah. Tu te sens bien J'ai fait un rêve. Ah. Un horrible rêve récurrent. Je... Que veux-tu dire par récurrent Ozo Banakogo. Ne cesse d'apparaître dans mes rêves avec... Le même message effrayant. Tu parles du feu Ozo Ukanakolgo? Oui. Oui. Waouh. Il venait m'avertir que. que mes jours sur cette terre. et eh bien sont comptés. Que Dieu nous en garde. Oh. Hey. Oh. n'a oh. pas encore d'enfant. Ça, c'est précisément le problème. Il a dit que je dois utiliser chaque minute qui a mon pouvoir pour le forcer à faire un enfant. Sinon, il ne deviendra jamais l'héritier du trône. C'est vraiment très grave. Il n'y a qu'une seule solution. Tu dois parler au Dinaka. Oui. Oui. Parce que mes jours sont comptés. Oh. L'homme dont je parle était une autorité au royaume d'Ouesse. Et il était très clair lorsqu'il parlait. Fiston, le plus vite tu commenceras à chercher un moyen d'engendrer un fils, le mieux sera pour nous tous. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas quoi faire. Comment puis-je résoudre ce problème qui me met en proie au caprice du destin? Vois-tu, c'est pour ça que je ne voulais rien te dire pour commencer. Pourquoi ne rien me dire? Ça me concerne. Mais tout ce que tu fais, c'est pleurer. Pourquoi ne pleurerai-je pas Parce que ça ne résoudra rien, mais ça te rendra plutôt malade. Oh, d'amour. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être dans cette position. Si tes parents croient que je ne suis pas inquiète, s'ils pensent que je ne suis pas angoissée, ils sont tout faux. Regarde-moi. Je suis une femme qui a des relations non protégées depuis ces cinq dernières années. Mais pas une fausse couche. Si tes parents sont inquiets, je perds la raison. Non, non. Laissez pas de me remonter à le moral. Ça devient déjà trop grave. Oui, tes parents ont raison. On doit faire quelque chose. Parce que je ne peux pas rester ici à, à attendre. Écoute, si tu penses que je vais prendre une autre femme, alors tu as tort. Tu te trompes. Je veux dire, tu penses à la mauvaise solution, le mauvais moyen. Tu dois t'enlever ça de la tête car je ne compte rien faire de tel. Je ne vais pas me marier avec une autre femme. Jamais je ne le ferai. Merci. 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 On est encore jeunes et plein de vie. Cinq ans. Cinq ans, c'est pas... C'est pas long. C'est pas long pour nous. Mais tes parents ne le pensent pas. Je... Je... Je, je ne sais pas quoi faire. Je ne ferai absolument rien. Rien. Euh, mes parents n'ont qu'à penser et croire ce qu'ils veulent croire. Mais en ce qui me concerne, je ne vais pas trahir ma femme juste parce que mes parents ont décidé euh, euh, de perdre la raison à cause des paroles d'un homme mort. Un homme mort Sérieux Un homme mort dans leur rêve Bon sang. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que nous allons faire Et que fait ma charmante épouse Eh bien. Mmh. Mmh. Eh bien, je fais des recherches sur médecins traitants. Selon une amie, le docteur Okona a étudie la médecine à Cuba. Tu parles bien de la République du Cuba mm -hmm. Et la bonne nouvelle à ce sujet, c'est qu'elle combine la science médicale avec la médecine traditionnelle cubaine. Dans la plupart des cas, selon ce qui se dit, quand la science médicale n'arrive pas à déterminer le problème, on se réfère souvent à elle. Et elle a toujours une solution. Donc si je comprends correctement, tu veux que ce docteur vienne ici, rapidement, par tous les moyens possibles, c'est ça Je serais très heureux si c'était possible. Eh bien, si c'est ce qui va rendre ma sublime épouse heureuse, si c'est ce que ma charmante femme veut, bien. Alors, je vais le faire. <laughs> T'es pas sérieux, là. Oh, que je suis sérieux. Oh mon <rire> Dieu <rire> Merci beaucoup. Merci. <laughs> Les échantillons que je viens de recueillir seront suffisants pour l'instant. On fera des examens complets sur ces échantillons. Et peut-être qu'après ça, on pourrait vous demander de venir à l'hôpital pour un scanner de tous les organes de vos corps. Euh, et pourquoi ne pouvons-nous pas y aller immédiatement Aller où N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit Je dois faire un scan complet du corps. Je, je, je pense que c'est mieux que j'aille avec elle. Non, non. Non, Donc, ma princesse, je ne suis pas en train d'insister. Oh. Non, docteur Ocono, c'est bon, c'est moi qui insiste. Et je veux vous remercier d'être venu si rapidement. Merci infiniment. Mais de rien, mon prince. Pas de quoi, ma princesse. Et ça, ça ne me dérange pas d'aller avec vous à l'hôpital immédiatement. Si ça ne vous dérange pas. Voyons, chérie. Pourquoi deviens-tu extrêmement inquiète Laisse-la partir avec les échantillons qu'elle a recueillis, ok? Et plus tard, elle reviendra avec les résultats. Ensuite, on saura quel genre de scanner effectuer. Exactement, mon prince. C'est ce que je ferai. Je vais y aller maintenant. Entendu. C'est bon. Je t'en prie. Sois juste un peu patiente. Dès qu'elle finira, elle reviendra et on saura quoi faire. D'accord Ne sois plus inquiète. Ok Ça va aller. Lolo. Igwe. Mmh. Oh, Malicha. Oh, Malicha. Assez. Euh, mmh. Ils sont avec euh, un inconnu. Et je ne sais pas ce qu'ils trafiquent. Eh bien, on ne devrait pas s'ennuyer avec ce qu'un homme fait avec sa femme. Mon roi, je ne semble pas comprendre ce que tu viens de dire. J'ai. J'ai. J'ai juste dit qu'on ne devrait pas s'inquiéter pour ça, car il y a d'autres choses qui nous. qui nous préoccupent en ce moment. Et si le problème vient de notre fils Non Non Ce n'est pas possible Ne pense même pas à cela. J'ai donné naissance à un fils parfaitement en santé. Mon fils ne peut pas être impuissant. Non Ah Comment tu peux même penser à ça Eh bien, on ne l'a jamais fait examiner, pas vrai Oh, s'il te plaît Ça suffit, ça suffit Arrête, ça suffit Ah Lolo et Zyoku. Mon roi. Il y a des choses que tu dois savoir. Qu'est-ce que c'est Les rêves. Mes rêves. Ils sont plus graves que ça. Plus que parler au feu, aux eaux ou pas à Oui. Je t'écoute. Je vois aussi d'autres morts dans mes rêves. Quoi Oui. Des hommes qui sont morts il y a de cela très longtemps, très longtemps, qui pourraient être nos ancêtres. Mon Dieu. Je les vois. Comment, comment sais-tu que ce sont des hommes morts eh bien, ils se sont présentés à moi. Et j'ai même reconnu certains d'entre eux. Oh, mon dieu. Oui. Ah. Ouais. Je suis inquiet. Ah. Lolo, je suis très inquiet. Ozo Ugbana a peut-être raison après tout. Mes jours sont comptés. Mon cœur, pourquoi ne viens-tu pas dans la chambre Tu n'as rien mangé de toute la journée. Je n'ai pas faim. J'attends juste les résultats. Que, que, que crois-tu qu'on va trouver Écoute, tu n'as pas à t'infliger tout ça. Je veux dire, tu n'as pas à t'affamer ainsi en attendant les résultats. Non. Écoute, d'après ce que j'ai vu du docteur Okono, je suis sûr qu'elle sait ce qu'elle fait et elle trouvera certainement une solution pour ce problème. Je suis d'accord avec toi, mais je n'ai toujours pas faim. Mon cœur. Ne laisse pas la pression de mes parents te rendre dingue. Ok Je suis ton mari. Je veux dire, je suis marié avec toi, pas avec eux. Et crois-moi, je suis heureux comme on est. Donc je vais aller à la cuisine préparer quelque chose pour toi. Promets-moi que tu vas manger. Promets. Promets. Très bien. Adosse-toi. <laughs> Je reviens, je vais te faire un truc à manger. Un homme merveilleux que Dieu m'a donné comme mari. Il me donne tellement de paix. Odinaka. Je suis vraiment, vraiment surprise de toi. Donc, après cinq années de mariage sans enfant, c'est maintenant que tu crois que c'est pour vous le bon moment d'aller à l'hôpital Tu n'es vraiment pas croyable. Ma femme cherche de l'aide médicale. Depuis des années déjà, elle a effectué plusieurs examens. Et ils disent qu'elle est 100% en santé. Et l'événement d'hier. Je veux dire, les activités d'hier étaient juste pour tranquilliser son esprit. Vraiment Et qu'en est-il de toi Ah Qu'en est-il de Oui. Nous? Ce ne sont pas seulement les femmes qui ont besoin de 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 tests ou ce genre de choses. Je ne comprends pas de quoi je parle. Père, je sais de quoi tu parles. La vérité, c'est que je n'ai jamais trouvé cela nécessaire de me faire examiner toutes ces années. Mais jusqu'à hier, j'ai dû me faire des examens. Vraiment? Et quels sont tes résultats? Eh bien, je veux juste que vous prépariez vos esprits, mes chers parents. Avec le fait que quand ces résultats sortiront, je pourrais ne pas être celui qui a besoin d'une seconde épouse, Akouido, ma femme, pour être celle qui a besoin d'un deuxième mari. De quoi est-ce que tu parles, Fiston? Mais de quoi est-ce qu'il parle Qu'est-ce que tu veux dire euh, Lolo, ne l'écoute surtout pas. Je pense qu'il veut tout juste nous provoquer. Il se peine aux têtes. Il essaie de nous faire regretter de lui avoir demandé d'épouser une deuxième femme. Pas vrai Maintenant, écoute-moi bien, mon fils. Écoute-moi. Écoute attentivement. S'il s'avère que tu es incapable d'avoir un fils, alors c'est toi qui seras ridicule. Oui. Parce qu'en ce moment-là, je serai en train de me reposer avec mes ancêtres. Et tu seras celui qui vivra ici. Avec l'humiliation de voir un autre homme prendre ton héritage. Je vais rejoindre ma femme. C'est ce qu'il faut. Pour que j'obtienne mon héritage. Alors tout ça. Tout ce qui ne permet pas à un prince de vivre en paix. Peut bien aller au diable. Odinaka Odinaka Ne t'en fais pas Ne t'en fais pas Laisse-le partir Laisse-le partir Très bientôt, il retrouvera la raison et, 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 et tu verras. Laisse-le partir, c'est quoi tout ça? Mais crois-tu que. crois-tu que. qu'il qu il peut avoir un souci médical? Non, non, je ne le crois pas. Je. Euh, en fait, je crois qu'il veut juste nous provoquer. Euh, S'il y avait un souci médical, il ne nous jetterait pas ça au visage avec autant d'assurance, non? T'es sûr? Relax. Chérie, qu'y a-t-il Quoi Le docteur vient t'appeler. Et Les résultats sont sortis. Alors On va bien. On va bien, et pourquoi tu es toujours en l'air Est-ce que je voulais souci, je voulais qu'on trouve un problème. Au moins, ça aurait pu avoir une solution. Ça aurait pu expliquer pourquoi je n'ai pas pu concevoir un enfant après cinq ans de mariage. Écoute, écoute. Mais tout le temps, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pourquoi ne peut il pas me donner un enfant Non. Même l'univers m'a tourné le dos. Chéri, non. Non, tu sais bien qu'on est encore jeune et en santé. Et n'oublie pas. stérile aux yeux des autres. De qui Mes parents Ils cherchent juste à se battre pour ton héritage. Et si seulement. Tu vas porter mon enfant. Très bientôt. On aura notre propre bébé. Je veux dire, Dieu va nous donner notre propre bébé. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Après cinq ans? C'est quel genre de timing ça? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi ne m'as-tu pas encore donné un enfant, c'est cet enfant? Que veux-tu qu'on fasse d'autres? Adopter un enfant, c'est ce que tu veux. As-tu perdu la tête? Que veux-tu que je dise d'autre alors? Quoi d'autre? Tu ne dors pas. Tu ne manges pas. Je veux dire, depuis que mes parents ont commencé cette folie, tout ce que tu fais, c'est pleurer. Cela me blesse. C'est moi qui suis sur le point de perdre mon héritage. C'est mon héritage qui est en jeu là. Mais voilà, je suis là. Regarde-moi. C'est moi qui te console. J'essaie de t'empêcher de te faire arrêter de te soucier. As-tu pensé un instant C'est que, que moi, je ressens cette simple pensée-là. Cette simple pensée de moi qui risques de te perdre pour me marier à une autre femme. Sais-tu ce que ça fait Sais-tu ce que ça... Merde J'en ai pas Je suis juste fatiguée. Juste... Suis... Dieu, pardon. Pitié, juste un enfant. Eh bien, comme je le disais, nous devons prier. J'ai été justifié. Oui, j'ai été justifié. Tout le monde peut-il se taire Oui. Qu'est-ce que tout ça veut dire Les résultats sont sortis. Ma femme va bien. Je vais bien. Et nous allons vous donner des petits-fils. Mais pouvez-vous, par pitié, pitié, cesser de mettre ma relation en péril Père, je vais mettre ce palais en feu. Tais-toi, Odinaka. Tais non, mais tu, tu, tu es stupide. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi Le test a fait gna 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 gna. Tu es fou. Comment peux-tu débarquer, débarquer à ma présence et vomir de telles inepties et te comporter comme un fou à cause de certains tests ou je ne sais quoi Maintenant, écoute-moi. Va dire à ta soi-disant femme qu'elle a moins de trois mois dans ce palais. Oui. Trois mois pour tomber enceinte, sinon elle s'en ira d'ici. Ordre du roi, et je le soutiens pour ça. Bien. On va vous donner des petits-fils. Vous en voulez des petits-fils Vous les aurez, vos petits-fils. Mais tu seras mort depuis longtemps. Père. Tu as entendu ça Non, mais c'est quoi toute cette folie Qu'est-ce qui arrive à ce garçon Hein? Je ne sais pas quoi faire de cela, ma reine. Je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas encore enceinte. Mais pitié, je t'en supplie, ma reine. Donne-moi juste une autre chance. Pitié, relâche la pression que tu mets à mon mari. Pitié. Aquedo, ma chérie. Résous tes problèmes toute seule. Comment puis-je faire cela Comment Si je pouvais, je résoudrais tous les problèmes que j'ai maintenant. Eh bien, cherche une femme à ton mari et permets qu'il dépose. Quoi oh Oui. Cette affaire n'est plus une histoire de une histoire de temps qu'on peut te donner. C'est désormais devenu une affaire de vie ou de mort. Alors, je ne voudrais pas que tu le prennes personnellement. Je suis désolée, Marie, mais je ne comprends pas. Que veux-tu dire par une affaire de vie ou de mort Je suis sûre que ton mari a dû te raconter les conversations que le roi a avec le feu au Ogana dans ses rêves. Oui, il fait. Je suis sûre qu'il a dû aussi te dire que il n'a pas été nommé héritier au trône de ce royaume. Oui. Je suis également sûre d'une chose, il ne t'a pas dit. Le fait que le roi fait régulièrement des cauchemars. Il ne cesse pas de voir des personnes mortes dans ses rêves. Quoi? Oui. Cela arrive depuis plus de six mois. Ma chère, pour couper court l'histoire, le roi est malade. Oh mon Dieu! Et quel est le problème? Il a une tumeur au cerveau. Quoi? On ne sait pas combien il lui reste à vivre. Oh non. Non. Oui. Mon mari est-il au courant de cela? Non, et on veut que ça reste ainsi. Pourquoi? C'est de son père qu'on parle. À quoi, Edo? Si par hasard mon mari meurt, et mon fils est privé de son héritage. Sache bien que c'est de ta faute. Odinaka, mon cher ami, toi et moi, nous savons que la seule chose sur cette terre qui manque de solution, c'est la mort. Personne n'est encore mort. Il n'y a qu'une solution à ton problème. La solution, c'est d'épouser une autre femme. Es-tu obligé de plaisanter en toute chose Odinaka, ai-je l'air d'un blagueur Je suis sérieux, mec. C'est toi-même qui m'as dit que les jours de ton père sont comptés. Ce qui veut dire qu'il peut mourir à tout moment. Ne sois pas surpris qu'après qu'on ait fini de parler, tu rentres, on t'annonce qu'il est mort. Et là, tu n'as pas de fils. S'il meurt, ça veut tout simplement dire que tu ne seras pas héritier du trône. Vas-tu t'asseoir et regarder ça arriver? Non! Moi-même qui suis ton ami, je n'accepterai pas que cela arrive. Alors, épouse une autre femme. Épouse une autre femme aujourd'hui, aujourd'hui! Pourquoi est-ce que je parle même de ça avec toi? Odinaka, tu parles avec moi et Lodibé parce que je suis le seul vrai ami que tu as. La seule personne qui te dira toujours la vérité telle qu'elle est, sans avoir peur de personne. C'est très évident que. Gakuedo est incapable d'engendrer un fils de toi. C'est pour cela que tu dois épouser une autre femme. Je ne sais pas quoi faire. Ceci est très grave. Kinika, peut-être devrais tu parler à la reine. Vous êtes des amis. Parle-lui pour moi, elle peut au moins t'écouter. Je t'en prie. Mais écoutez-moi? Oui. Akuedo, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, la seule option ici, c'est que le prince épouse une autre femme. Ah, je suis désolée, mais c'est la vérité. Je suis surpris que tu soutiennes cette bêtise. Odinaka, pourquoi dis-tu que c'est une bêtise Ce n'est pas une bêtise. Là, c'est juste une solution. Quelle stupide solution Quelle stupide solution Ma femme Akuido est encore jeune et très robuste pour me donner un hey, enfant. Odinaka, qu'est-ce que tu racontes Qui est jeune Ma femme Akuido. Ah, Odinaka, pourquoi te vois-tu le visage « Elle n'est pas jeune !»« Avec tout mon respect, je ne sais pas de t'insulter. »« Ah, tu es aveugle. Elle n'est pas jeune. Cette femme n'est pas jeune. »« Que diable racontes-tu »« Écoute, Odinaka, tu as urgentement besoin d'un héritier, d'un fils. »« Et s'il y a une femme dans ce monde qui est capable de le faire pour toi, ce n'est certainement pas Aquedo. réveille »« Aquedo! la vérité, c'est que tu as besoin d'aide. De l'aide d'une autre femme. » Et je suis intéressée. Le prince est déjà en train de chercher une autre femme. Ah, n'est-ce pas mieux s'il me choisit en tant qu'ami Gélika. Je. je n'arrive pas à croire que cela vienne de toi. Tu l'as dit toi-même que le roi va mourir. Et s'il si meurt sans que ton mari n'ait un enfant, cela veut dire qu'il ne sera pas héritier du trône. La solution la plus rapide, c'est moi. Oui. Oh, tu préfères une étrangère Je suis ta meilleure amie. Tu peux choisir de ne pas comprendre, mais je dois te dire les choses telles qu'elles sont exactement. Écoute. Pensez-y, si ta femme était capable de te faire tes enfants, pourquoi elle a été incapable de le faire en cinq ans, en cinq bonnes années hein? Ou alors son système productif est différent des, des autres femmes Ilo, mais donc, t'es très injuste. T'es injuste envers la femme qui a toujours une amie, une soeur pour toi depuis que je l'ai amenée dans ce palais. Odinaka, s'il te plaît, arrête ça, arrête ça. Qu'est-ce que c'est pourquoi mêles-tu les sentiments à ça? Non, 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 essaie de réfléchir. Non non, 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 arrête. Quand on parle de réalité, oublie les sentiments, s'il te plaît. Mec, mets les sentiments de côté. Je l'aime pour ce qu'elle a fait. Mais je t'aime encore plus parce que tu es tu es mon ami, donc c'est pour cela que je veux que tu fasses le bon choix pour toi. C'est pour ça que je suis réaliste. Écoute, Udinaka, je voudrais que tu sois roi après ton père. Laisse-moi te dire ce que tu ne sais pas. Moi et Lodibé, je ferai n'importe quoi dans ce monde. Pour m'assurer que tu ne perdes pas ce puissant rang. Parce que je sais que si tu deviens roi aujourd'hui, tu peux décider de faire de moi un ou, ou parce que je suis ton meilleur ami. Oui, tu feras de moi un ou. ou. C'est mon avantage. Écoute, tout ce que je fais, c'est pour toi. Et pour toi seule. Ça n'a rien à voir avec l'inoffensif et l'audibé. Ginnika, je suis tellement dévastée de voir qui tu es vraiment. Hmm. De toutes les solutions possibles, se coucher avec mon mari que tu as seulement trouvé. Arrête, Akudo Grandis et cesse d'être puéril. Ne dis pas de cesser d'être puéril. Non, je ne resterai pas là à te regarder faire des interprétations extrêmes de mes propos. Si j'étais toi, la meilleure chose que je ferais, c'est de m'assurer que la femme qui viendra dans ce palais soit mon allié personnel. Jésus Christ. Oui, la meilleure option, c'est moi. Laisse-moi épouser le prince. Odinaka, mon ami, un homme ne vivra pas seulement avec la soupe égoussie. C'est bien et très important d'ajouter aussi l'okbono, l'ofora et l'onsala. Tu peux même décider de traverser ton atmosphère géographique et d'ajouter des mets étrangers. Épouse une autre femme. Je ne voudrais plus parler de ça avec toi. Fais-moi une faveur, Ginita. Lève-toi et dégage de chez moi. Ilo hmm? La meilleure chose que tu puisses faire maintenant, c'est de partir de chez moi à l'instant même. J'arrive pas à le croire tu me chasses vraiment de chez toi Parce que je t'ai dit la vérité Va au diable avec cette vérité. <laughs> Dégage de chez moi. Sinon, je te pousserai moi-même. Mon prince, mon prince. Voyons, tu n'as pas besoin de te fâcher pour ça. Ce que je fais, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton bien. Tu ne dois pas prendre la mouche. Akuto, tu vas déjà trop loin. Ne me force pas à te pousser moi-même. Alors crois-moi, de femme à femme, je n'ai pas besoin de l'aide des cartes. Je peux utiliser la force sur toi, mais je choisis de ne pas le faire. Dans les deux minutes qui suivent, si tu ne quittes pas cette concession, je n'aurai pas d'autre option que d'agir comme un homme en colère. Et tu ne voudrais pas cela. Mais tu es prévenu. Mon prince, Ozinaka. Oh, ah ah! Hé! Hey. Il est très sérieux là. Ah, mon prince! Psst. Regarde quelqu'un que j'essaye d'aider. Il m'ordonne de sortir de son palais. Ce monde n'est pas juste. Je t'ai dit de sortir de chez moi. Takuido, Sors d'ici. Takuido et car je jure devant Dieu. Quedo, tu fais une erreur! Dégage de chez moi, ferme ta gueule et sors de chez moi! Dégage! Ah. Dégage! Ah. Prêtresse! C'était trop extrême, Lolo. Comment tu peux faire cela euh, Pourquoi Mon roi, que voulais-tu que je fasse Attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard avant qu'on arrive à la conclusion qu'elle ne pourrait pas pouvoir faire d'enfant J'ai dû la pousser à commencer à réfléchir comme nous, en lui faisant croire que la situation est plus grave qu'elle ne le croit. Et si elle le dit à son mari, que se passera-t-il alors, euh, on trouvera une façon de lui faire croire que tu es vraiment sur le point de mourir d'un cancer du cerveau. Lolo, comment tu peux mentir sur ma santé? Eh bien, ça fait en fait partie des conspirations qui ont cours dans le siècle royal. Je l'ai appris de ton père. Quand cela est nécessaire, les têtes royales peuvent inventer des mensonges pour parvenir à leur fin. C'est exactement ce que j'ai fait, et je pense que je mérite d'être applaudi. Applaudi mon œil, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Écoute-moi et écoute-moi très attentivement. Je ne veux voir Guenica nulle part dans ce palais. Ma princesse, quelque chose s'est-il passé? Guinnika est votre meilleure amie. C'est un démon. Un serpent à sonnet tapis dans l'ombre. Dis au garde du portail et à tout le reste que je ne veux la voir nulle part dans ce palais. Ils doivent appeler la police. S'ils la voient, à 10 mètres du portail du palais. Mais suis-je bien fait comprendre? Oui, ma princesse. Bien. Mais Guinnika est sa meilleure amie. Que s'est-il passé pour en arriver là Une simple solution. Qu'ai-je fait de mal à part proposer de m'offrir comme une planche de salut pour le prince Il a besoin d'une femme qui peut lui engendrer un enfant. Et cette femme n'est certainement pas sa femme. Je suis la meilleure amie de sa femme, sa meilleure alliée, comparée à une étrangère qui viendra probablement la maltraiter. Ne suis-je pas la meilleure option? J'essaye même de l'aider. Pourquoi ne me comprend-elle pas? Ah! Je ne suis pas sûr de te comprendre. Et je suis sûre que tu m'as bien comprise. Guinnica n'est plus la bienvenue dans ce palais. Hein Et cette instruction vient spécialement de la princesse. Ok, et si tu lui disais de partir et qu'elle refuse Alors, tu as le devoir d'appeler la police et de la dénoncer comme intruse. Ne désobéis pas à cette instruction, car la princesse ne le prendra pas à la légère. Pourquoi rend-elle ce job de plus en plus difficile ha Bienvenue au palais. Merci. Allons, allons-y, vas-y. Où est-il? Suis-moi par là-bas. Il va t'adorer. Sois relax, t'inquiète pas. Ah, mon prince. Odinaka, mon prince. Mon prince, mon prince. Ah, ah. Écoute. Je, je suis désolé. Je te jure, je suis désolé pour ce qui s'est passé l'autre jour. Pour le bien de notre amitié. Pardonne-moi, je ne voulais pas t'offenser. Tu me connais, tu me connais très bien. Tu es mon ami, c'est pour ça que tu es devant moi à me parler en ce moment. Bon, dis-moi, que puis-je faire pour toi Ok. Bien, euh, Odinaka, elle, c'est Amaka. La belle Amaka. La sublime Amaka. Alors, Amaka, ça, c'est... Mon ami. C'est un honneur, mon prince. C'est bon. Ok. Amaka ici présente est la fille du chef Emma, un membre du conseil de ton père. Cette fille est diplômée en droit de la célèbre université du Nigeria. En fait, pour faire, pour faire simple, Amaka est venu me voir en toute confiance. Il m'a dit que tu lui plais. Il m'a dit que j'aime Odinaka. J'ai dit, mais le prince, est mon pote. T'inquiète pas. J'ai dit que je t'amènerai sur Odinaka, sur un plateau en or. Donc, Amaka, voici donc le prince Odinaka. Je te l'ai servi dans un plateau en or. Maintenant, la balle est dans ton camp. Donc, à ce niveau, je vais vous laisser seuls tous les deux. Tu vois Hé, hey, attends, attends. Attends une seconde. À ma cas de grâce, peux-tu nous excuser une minute? Et quand tu partiras, s'il te plaît, je veux que tu ailles t'asseoir dans la voiture. Il te rejoindra très bientôt. Ok? Ou, ou alors tu veux que je dise à mes gardes de te chasser du palais par force? Non, mon prince. Hein? Non. Bien. ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi l'as-tu humiliée de cette façon C'est quoi ton problème Tu ne sais pas qu'il y a des hommes ici dehors qui supplient juste pour avoir une seule minute avec elle Et toi tu humilies une beauté pareille Tu n'as vraiment pas idée de combien d'hommes elle rejette ici dehors Et toi tu te permets de l'humilier de, de, de la sorte C'est quoi ton problème Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas chez toi mec Elle est fraîche, belle, intelligente. Tu n'as même rien à faire. Tu n'as rien à faire. Lève-toi. Regarde-la. Dès qu'elle saurait, elle tombe enceinte. C'est tout ce que tu auras à faire. C'est bon, tais-toi maintenant. Donc après tout ce qui s'est passé hier, après tout ce qui s'est passé hier, tu as encore le culot d'aller me chercher une femme et tu me dis qu'en la regardant seulement, elle va tomber enceinte. Hey, hey, Qu'est-ce que c'est que ça Arrête tes menaces. Arrête, arrête ça. Ça, ce que tu dis. Tes yeux menaçants ne me font pas peur. Si tu comptes me jeter hors de ce palais, oublie ça vite, oublie ça vite. Tu ne me jetteras pas dehors. Je suis ton ami. Je suis ton ami, sauf si tu veux m'humilier. Vas-y, tu peux appeler tes gardes, qu'ils me jettent dehors. Je sais que tu ne me feras pas ça parce que je me soucie de toi. Oui, je me soucie de toi, tu es mon ami. Ce n'est même pas pour mon bien que je le fais, c'est pour toi. Tu vois, j'essaie de réfléchir pour toi, je me bats pour toi. Je t'amène une fille fraîche, intelligente et belle. Hein Donc tu ne veux pas que je sois ton nono Donc, c'est arrivé au niveau où... Elle refuse même de décrocher mes appels. <laughs> ok. Voyons jusqu'où elle va aller avec son cinéma. Vous avez un appel. Oh. Oui, oh, allô? Chiwendu, qu'est-ce que ça signifie? Depuis quand es-tu devenue l'ami de Guinika? Oh, ma princesse, ce n'est pas mon amie. Elle a dit qu'elle vous appelle depuis et votre numéro ne passe pas. Eh bien, pas. elle t'a menti. Je croyais avoir été claire que je ne voulais pas la voir dans ce palais. Et ça voulait aussi dire que je ne peux pas parler avec elle. Cela ne se répète plus, me suis-je bien fait comprendre? Oui, ma princesse, je suis vraiment ça. désolée. Je ne peux pas le faire. Je ne veux pas me faire virer. Madame, si la princesse l'apprend, elle va me tuer. Appelez-le vous-même. Non, Chiwondo. Si je l'appelle et qu'il est avec sa femme, ma mission échouera. Je t'appelle parce que je veux que tu mets dans lui ton nom. Ce foutu message Et sa femme lui a dit de ne plus décrocher mes appels. Hein? Tu sais quoi? Oublie ça. Imbécile! Stupide fille de pute! Comment est-ce que cette femme est devenue une amie de la famille royale? Elle a fait quoi Et pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit depuis tout ce temps Elle n'a aucun droit, je dis aucun, de te faire une telle chose. Bien sûr que je vais t'aider. Tu es la bienvenue au palais à tout moment et à toute heure. C'est ta maison. Et je le ferai savoir à tous les concernés. Merci. Merci. Merci beaucoup, ma reine. Merci, merci. <laughs> merci ma reine. Je t'en prie. Bye. Hmm. Voilà la femme que mon fils aurait dû épouser. Oh. Écoute, Odinaka, tout ce que je te demande de faire, c'est de me donner juste cinq minutes. Cinq minutes avec Amaka. Et crois-moi, je te promets de ne plus t'embêter avec ces histoires. Si je vois encore cette fille ici, si elle pose encore un pied ici, tu l'auras. Attends, voyons, tu. Oui, la reine demande que vous lisiez ceci. Je ne comprends pas. Pourquoi Kinika, t elle Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle m'invite chez elle comme ça Hé, hey, toi là, qui est-il Odinaka, je te vois. <laughs> ah, je commence à croire que, que le nombre de femmes dans ce royaume qui sont amoureuses de toi. Est vraiment plus raconte. grand que je ne m'imaginais. Et tu crois que je vais juste honorer une invitation pareille en allant chez elle Tu dois l'honorer. Peut-être que je me trompe. Elle a peut-être un souci. Elle a besoin de ton aide. Ce jeune officier de police. Attends, tu es le prince de ce royaume, l'héritier du trône, le futur roi. Quand un fils ou une fille du royaume d'Oumousier a besoin d'aide, tu dois intervenir. Oui, tu dois le faire parce que ça fait partie des attributs de la royauté. Donc, vas-y. C'est pas croyable. Est-ce que tu t'entends parler? Quoi? Tu étais en train de forcer une femme à entrer dans ma vie il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes. Et maintenant, tu veux que j'aille voir une autre femme? Mec, s'il te plaît, ne confonds pas les choses. Tu me connais, non? Tu me connais, mec. Mon intérêt est que. Je dois trouver une femme, pas seulement une femme, mais une femme fertile capable de te donner des enfants. C'est mon seul intérêt. Je m'en fiche du type, de la nature. Ou même de l'espèce de femme, je m'en fiche. Je veux juste une femme qui tombe enceinte de toi. Ilo, va au diable. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi C'est quoi ton problème te Va au diable. Comment? Pourquoi irais je au diable Je ne veux pas aller en enfer. Écoute, cette fille peut avoir des problèmes. Si quelque chose lui arrive, tu seras le seul responsable. Tu seras tenu pour responsable. N'est-elle pas censée être la meilleure amie de ta femme Va la voir. vas Merci d'être venu, mon prince. C'est évident que tu vas bien. Je veux savoir pourquoi tu m'as invité chez toi. Mais entrez, assieds-toi. Eh bien, tu ne m'as pas donné de raison d'entrer chez toi et de m'asseoir. Écoute, laisse-moi t'offrir un truc à boire. Kineka, pourquoi m'as-tu invité chez toi avec autant d'urgence ah. mmh. J'ai appris que tu as besoin d'une deuxième femme. Qui l'a dit Vrai ou faux Faux. Je ne te crois pas. Donc, c'est pour ça que tu m'as invité chez toi. Euh, en réalité, je t'ai invité pour te dire que ça m'intéresse de devenir ta deuxième femme. Je te demande pardon. Dis-moi, si Akuido n'était pas dans le tableau, aurais-je une chance Eh bien, Akuido est dans le tableau en ce moment. Donc ta question est sans importance pour moi. Tu n'as toujours pas répondu à ma question, mon prince. Je crois que ceci répondra. Va me lâcher maintenant. Ah. Je vois que tu es cinglé. Je crois que j'ai ma réponse. Tu n'es dit rien du tout. Parce que je n'ai rien. À voyons, Odinaka, que se passe-t-il Tu ne peux pas juste sortir du palais sans dire à quiconque ta destination. Et tu reviens presque immédiatement sans aucune explication valable et dis qu'il n'y a rien du tout. Que se passe-t-il, bébé Qu'est-ce qu'il y a Rien ne s'est passé. Ok. Je vois que tu ne veux juste pas me le dire. Je t'aime. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas Odinaka, tu me fais peur. Qu'y a-t-il Eh bien, cela ne répond pas à ma question. Tu sais que je t'aime. Oui, je sais que tu m'aimes, mais je... Mais rien. Je reviens tout de suite. Je veux la vérité. Ma princesse, je vous le jure, il n'a donné sa destination à personne. Et donc, il est juste parti comme ça? Oui. Et tu ne l'as vu parler avec aucun des gardes? Non, non, je sais qu'il ne l'aura pas parlé. Parce que la reine m'a posé la même question que vous me posez, ma princesse. Ma princesse. La princesse m'a posé mmh. quelques questions. Elle suspecte le prince de lui cacher quelque chose. C'est une possibilité. Mais en quoi est-ce notre problème euh, Olisa, viens s'il te plaît. As-tu vu le prince Et pourquoi tu demandes Ça devient déjà un problème. La princesse suspecte un truc et elle pose des questions. Chiwendo ne te mêle surtout pas des histoires qui concernent mari et sa femme. Surtout pas. Sinon, tu auras des ennuis. D'accord, d'accord, d'accord. Sérieusement, je t'ai dit d'arrêter. Arrête de m'appeler. N'appelle plus jamais ce numéro. Qui était-ce Es-tu une espionne eh bien je ne dirai pas ça vu que je n'ai rien compris de tout ce que tu disais alors laisse tomber c'était pas quelqu'un d'important je vous bien il vient d'effacer son historique Ne décroche pas ton appel? Faux numéro. Faux numéro? Tu en es sûr? Mmh. Faux numéro. Raccroche encore tes appels parce que tu es la meilleure amie de ma femme et je ne veux pas qu'elle soit au courant. Ok Mais tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Je vais raccrocher cet appel et une fois que je l'aurai fait, je vais bloquer ton numéro. Sache que ton numéro sera bloqué dans mon téléphone. Oui, et je suis sérieux. Vas-tu me dire ce qui se passe enfin Ou veux-tu que je te force à m'avouer ton petit secret Tu me fais plus confiance? Odinaka, oh, qu'est-ce qui cloche chez toi? C'est toi qui t'es glissé hors du lit. Et tu oses me demander si je ne te fais plus confiance? Si tu ne me dis pas ce qui se passe, je vais crier très fort au point de réveiller tout le monde dans ce palais. Trois, 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 ne me dis je pas de me dire, je que te te se passe-t-il. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu peux le faire au moins. Je te le dirai, mais tu dois t'asseoir. Ok, je t'écoute. Eh bien, euh, ton amie qui n'est qu'à m'inviter chez elle. Quoi Bon. Pourquoi Pour me dire son désir de devenir ma deuxième femme. Quel but Tu dois te calmer. Je, je. Je. lui ai dit que je t'ai pas intéressé. C'est pour cela qu'elle ne cesse de m'appeler. Pourquoi tu ne l'as pas dit quel homme normal, quel homme normal voudrait déranger sa femme avec une si stupide et inutile information sur une fille sans vergogne en plus. Elle ne cesse de m'appeler, c'est pour ça que je cachais et j'ignorais ses appels. Et je lui ai dit que je vais bloquer son numéro. Tu as fait ce que tu croyais bien. Merci. Mais je ne suis pas du tout contente. Donc, tu as finalement changé d'avis Sale pute. Tu crois pouvoir séduire mon mari et t'en tirer à bon compte Et c'est ça la prochaine fois et je te promets que je te tuerai. Oh, chérie, tu parles comme une camine hystérique de 5 ans. Dès le moment où tu as été incapable de faire un enfant à ton mari, c'est à ce moment que tu l'as perdu. Écoute-moi bien, Genika. C'est toi qui vas perdre ta putain de vie si tu n'arrêtes pas avec cette folie furieuse. Si jamais tu essaies encore cela, je te chercherai et te mettrai à nu en public. Aujourd'hui, c'est moi. Mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Admets-le, Akudo. Tu n'es plus officiellement la princesse du royaume d'Omwese vu que le prince a grandement besoin d'une autre femme Ça veut dire qu'il est célibataire Reste très loin de mon mari. Je ne t'avertirai plus. Reste très loin de mon mari. Je ne t'avertirai plus. Es-tu maintenant satisfaite Akuido, as-tu perdu la tête Odinaka, je ne crois pas qu'on ait d'autre choix. Il est évident que je ne peux te donner un enfant. Et tu ne peux plus attendre trop longtemps. S'il te plaît, épouse ma soeur. S'il te plaît. Akudo, ah, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu sais que c'est horrible ce que tu dis là? Oui. Oui, c'est vraiment horrible. Mais je préfère avoir ma soeur ici comme qu'épouse au lieu d'une parfaite inconnue. Et tu en train de me dire que tu as perdu tout espoir d'enfanter? C'est ce que tu essaies de me dire? Ce que je pense ou ne pense pas n'est pas important en ce moment. J'essaie juste de comprendre cette réalité qui me tombe en pleine face. Pourquoi cette hâte Pourquoi maintenant Et pourquoi veux-tu à tout prix que je le fasse Est-ce à cause de Kineka Non. Alors c'est juste que je réalise qu'on ne peut pas avoir d'enfants ensemble. Je ne te laisserai pas, ni quelqu'un d'autre, me faire accepter ceci. Je ne peux pas te faire un enfant, mon roi. Et comme on le sait tous les deux, en tant que futur roi de ce royaume, si tu dois faire un enfant avec une autre femme, tu dois être marié à cette femme. Odinaka, tu m'as épousée, mais j'ai échoué. S'il te plaît, je t'en supplie, épouse ma sœur. S'il te plaît. Une question. Ai-je le droit d'en décider? Ai-je un mot à dire? Ou je suis juste? Le moyen de vos ambitions pour toi et mes parents. Je te demande pardon. Oui. Car tu es trop désespéré. Si désespéré que tu, que tu veux laisser ton mari, ton propre mari, épouser ta sœur. Ça veut dire que j'ai n'ai pas à moi à dire. Je n'ai vraiment rien à dire parce que tu ne considères pas ce que je peux penser, ni même si j'ai un choix. Quel est donc ton choix Je n'aime vraiment pas l'idée d'épouser deux sœurs. C'est ça mon problème. Je trouve vraiment cette idée si répulsive que je pourrais même décider de ne pas avoir d'enfant. Oui. Odinaka. Odinaka, s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. Akuido, mes parents et toi Vous voulez un héritier sur le trône, n'est-ce pas? Oui. Va d'ailleurs cherche ailleurs. Va chercher quelqu'un d'autre. Car ça ne m'intéresse plus du tout. Mon amour. Mon amour. D'accord. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ozondo, c'est une histoire de vie ou de mort. Et tu es mon dernier espoir. Pourquoi? Par la voix basse, quelqu'un pourrait nous entendre. Et vomir des dégoût. Oui. C'est exactement ce que ferait quiconque qui entend ce que tu es en train de me dire. Vomir. Tu es mon unique sœur. Si l'effet était inversé, je ferai de même pour toi. Non, c'est faux. Ago, c'est de la folie. C'est tellement ridicule. C'est scandaleux. En fait, je ne sais pas comment appeler ça. Appelle ça l'amour fraternel. Je ne veux pas que tu prennes cela de façon extrême. D'accord, je ne prends pas ça de façon extrême. Je te dis juste la vérité. De quelle vérité parles-tu Après tout ce que je t'ai expliqué. Mon Dieu. Si un prophète me l'avait dit, un jour, que ma sœur me regarderait droit dans les yeux et me dirait ce que tu es en train de me dire à présent, je dirais à cette personne qu'il est un menteur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? osons s'il te plaît. Non. Je ne le ferai pas. quand je n'épouserai pas ton mari, je ne serai pas sa deuxième épouse et, et je ne tomberai pas enceinte de lui. Mets-toi ça dans la tête, accord. Je refuse Quoi Dis-moi ce que tu veux que je te donne pour que tu le fasses pour moi. Tu veux dire, ce que tu me donneras pour que je devienne la deuxième femme de ton mari, c'est ça Appelle ça quand tu veux. D accord, tu as perdu la tête. T'es devenue folle. Si tu penses que je le ferai pour un prix, que je laisserai mon chéri d'amour pour un prix, Yako. Écoute-moi. Je prendrai soin de lui. Oui, je ne peux peut-être pas rembourser son argent, mais j'ai assez d'argent pour changer sa vie. Je veux juste que tu me fasses cette faveur, s'il te plaît. Mais qui es-tu? Qu'est-ce qui te cloche chez toi? Parce que je ne reconnais pas cette personne assise ici. Tu n'es pas ma sœur. Ako. quoi as-tu oublié? As-tu oublié ce qu'il a fait pour nous quand mère a été diagnostiquée d'un cancer? L'as-tu oublié aussi facilement? Je m'en souviens. Je me souviens qu'il avait vendu son seul terrain pour sauver la vie de maman. Cette terre était la seule chose qu'il avait à coup. Et il l'a vendu juste pour que Mère aille bien. Et maintenant que Mère est bien et rétablie, je voudrais que je le récompense en devenant la décimée pour ce ton mari, c'est ça. Je suis d'avril que tout ça arrive. Je ne suis pas ingrate et je n'ai pas oublié ce que Nebolissa a fait pour nous. Et c'est pour ça que je te dis ceci. Je lui donnerai assez d'argent pour s'acheter un terrain et même encore plus. Osondo, je veux juste que tu fasses ça pour moi. Je veux juste que tu m'aides, s'il te plaît. Tu as perdu la tête. Tu es folle. Tu as perdu la tête. Tu es complètement folle. Osondo. usando Wow! C'est vraiment formidable. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue de toute ma vie. Alors, t'es sérieux? Et tu euh, Attends. Ta femme t'a vraiment dit ça? Hey! Mec, vois-tu, le respect que j'ai pour ta femme vient d'augmenter de 200%. Cette femme est vraiment très sage. Elle vient de me prouver qu'elle est très sage. En fait, pour moi, c'est la femme la plus sage de tout ce royaume. Sérieux. Comment ça, je suis sérieux, Odinaka? Ah, pourquoi aimes-tu gâcher l'ambiance? Pourquoi veux-tu la gâcher? Dis-moi pourquoi veux-tu la gâcher? Ou alors, peut-être ce que je dis n'est pas bien, ou alors je raconte des bêtises. Il n'y a rien de mal à épouser deux sœurs, je t'assure. Ah, Ido, est-ce que ça veut dire que tu ne peux jamais être objectif dans la vie? Et heureusement que tu sais que je suis la personne la plus objective qui existe dans ce monde. Tu le sais Ne, ne peux-tu jamais soutenir la morale Quand soutiendras-tu ce qui est bien pour une fois Odinaka, c'est exactement ça que je fais. C'est ça que je fais. Je soutiens la morale. Je soutiens ce qui est bien. Et c'est exactement la même chose que veut ta femme. Il n'y a rien de mal à épouser deux sœurs. Je vais te dire un truc. Ton épouse est une femme vraiment sage. C'est une femme très sage. Elle ne veut pas d'une étrangère dans ce palais. Une personne qui viendra... C'est la cisanie, je respecte sa décision. Elle a tout mon respect. Ilo, dis-moi, même si je décide de faire ce que tu me dis, ou ce que tu veux que je fasse, pourquoi pourquoi deux sœurs Pourquoi est-ce que j'épouserai deux sœurs Où cela se fait-il Mon pote, laisse-moi te choquer. Il y avait des hommes très riches chez les Igbo qui avait épousé de, deux femmes. Et pas un jour, ils ne l'ont regretté. Ils ont vécu très très heureux. Ils étaient en paix. La légende raconte que c'est même un signe de grandeur. Quelle légende Quelle légende Mais c'est la légende de nos deux ancêtres, Odinaka. Maintenant que je peux commencer à t'éduquer sur les légendes de nos ancêtres, tu es un prince, tu devrais en savoir plus. Ouais, tu devrais, tu devrais. Hilo, tu sais, je ne cesse de me demander pourquoi je me confie encore à toi. Je me demande, je sais pas pourquoi. Ma mémoire vient de me rappeler un truc. Il y avait un homme à Oketiti, au village des Jinando, dans le royaume des Titi, à Oketiti, qui lui avait épousé des triplés. Trois femmes, je te parle d'eux, et toi, tu m'as l'air choqué. Tu ne peux pas savoir à quel point ils vécurent très heureux. Mieux que des gens qui ont épousé une femme. Tu pouvais voir l'amour. Il y avait te tellement de bonheur. On pouvait voir la romance. On voyait la joie et le bonheur. Plus que des personnes qui avaient épousé une seule femme. Et ils reçurent le titre de Boagou et Churizo. Même à Inokwande, on lui a donné le titre d'Ozodemba. De, 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 de Donc, il n'y a rien de mal à épouser deux femmes. Et pourquoi tu me dis tout ça parce que tu as toutes les ressources, mon prince, et c'est ça ça va te plaire. écoute, imagine en dehors du fait que en dehors du fait que ta femme veut, imagine-toi marié avec deux belles femmes ayant de belles courbes. ce sera de ouf, imagine, imagine tu vas voir comment ta vie va changer. Il n'y a pas de raison à te sentir coupable par rapport à ça. C'est utile! Écoute, je suis arrivé à la conclusion que tu dois commencer à manger la soupe au loup Parce que la soupe égouttie n'est pas bonne pour ta santé. Pas du tout! Pensez-y, pensez-y, pensez-y. C'est moi qui te le demande, mon frère. Vas-y, essaye, essaye aussi de goûter la, la, la soupe au loup Je t'en sers aussi, tu veux boire? Va-t'en. Ma fille, pourquoi parles-tu comme si ta sœur avait dit quelque chose d'abominable? Pourquoi ai-je l'impression que tu es complice de tout ça? Tu m'as bien entendu. Qui a-t-il de mal à épouser le prince? Que tu sois la première ou la deuxième épouse, ne seras-tu pas toujours une princesse? Est-ce que ta fille ne sera-t-elle pas mieux <laughs> Imagine quand tu vivras dans le confort et le luxe, en permanence dans la maison royale, en tant qu'épouse spéciale, dans le siècle royal. <laughs> oh mon Dieu, maman, toi aussi En fait, ma chérie, c'est moi qui lui ai suggéré cette grande idée. Quoi Oui, c'est moi. Parce que je ne peux pas rester là à regarder le fils du prince venir d'une autre femme simplement parce que ma fille a été incapable de tomber enceinte. Donc, s'il faut que le prince épouse mes deux filles, alors qu'il en soit ainsi. Inceinte... Ah. Maman, <laughs> je suis surprise. Que cette idée vienne de toi, toi, maman! Osando, oh s'il te plaît, pense et réfléchis attentivement à cela. Pense bien à ce que tu pourrais gagner si tu épouses le prince. Pense bien à toute l'aide que tu apporteras à ta sœur. C'est une situation de fille ou de mort. Tu es son seul et unique espoir. Tu oh, sais quoi? Maman, je vais juste aller dans ma chambre parce que tout le monde a perdu la boule. Osando, oh, si une autre femme vient dans ce palais et jette ta sœur hors de ce palais, ce sera entièrement de ta faute et je ne te le pardonnerai jamais. Mais maman, tu n'es pas juste. Qu'en est-il de Nébolissa Qu'en est-il de lui donc maman, je dois juste rompre nos fiançailles. La fiançaille qui l'a accompagnée ici dans cette maison pour demander ta main en mariage. Maman, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. As-tu déjà tout oublié? As-tu oublié ce qu'a fait Nebolissa pour toi et pour cette famille? Tu veux juste que je le mette de côté juste comme ça? Ta sœur m'a déjà confirmé que Nebolissa sera très bien récompensée. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui à ta sœur et épouser le prince. népolis a été un très grand ami ici dans cette famille et il comprendra. Maman, ceci ce n'est pas justifié. C'est carrément impossible. Je ne vais pas épouser le prince. Alors écoute-toi et toi, toi allez chercher quelqu'un d'autre pour, pour le faire pour vous. Excuse-moi. Où Ouzondo revient ici. Ouzondo. D'accord. On verra. C'est si difficile de croire qu'il puisse faire ça. Je veux dire, ici, c'est ta maison. Et elle n'a aucun droit quelconque de te demander de ne pas venir ici. Et je n'ai rien fait de mal. Tout ce que j'ai fait, c'est manifester mon intérêt pour le prince. Est-ce que tu es intéressée par mon fils Oui, oui Votre Altesse. T'es sûr Oui. Et si le prince a besoin d'un fils, je suis prête à lui en donner un. Écoute, Amaka. Je, je comprends ce que tu ressens. Je ressens ta douleur moi aussi. Je ne veux pas que tu te sentes ainsi. J'ai tout prévu pour que ça marche bien. J'ai prévu que tu sois son épouse. Mais ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, la vie continue. Regarde-toi, tu es une très belle femme. Et tu as étudié le droit. Tu es le rêve de tous les hommes. Y compris moi. Écoute-moi, relax. Relax. Quand je serai prêt à me marier, je viendrai t'épouser. Je suis sérieux. Je viendrai t'épouser. Alors, tu me confirmes que c'est terminé entre nous? Écoute, je viens de te dire que, euh, si j'étais vraiment prêt pour le mariage, je t'aurais épousé. Tu ne veux pas écouter cela? Tu ne cesses de parler du prince. Pourquoi tu parles d'abord comme s'il y avait quelque chose entre vous? Il n'y avait rien! <laughs> J'essayais juste de t'aider dans tes affaires. J'essayais juste de faire quelque chose, de faire en sorte que quelque chose se passe. Et comme rien ne s'est passé, tu dois aller de l'avant, laisse-le. Continue ton chemin. Tu finiras par trouver l'homme idéal pour toi. Crois-moi, tu finiras par trouver une bonne personne comme moi. Donc, relax. B, je ne suis pas contente que tu m'aies amenée au palais avant d'avoir discuté avec lui. Je ne suis pas du tout contente. Regarde-moi cette fille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi Hein? Moi, j'essaye de t'apaiser, mais toi, tu racontes tes bêtises. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Elle ne voit pas que j'essaye de l'aider? Elle veut épouser le prince. Rêve. N'importe quoi. C'est un miracle, Fisson. La manne du ciel a directement dans nos vies. De quoi parles-tu, mère? Ah! Ta quête est finie. Tu as finalement exaucé nos prières. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire. Kineka. Kineka, qu'est-ce qu'elle a, Kineka Elle t'aime Pardon Elle t'aime et elle veut avoir un enfant avec toi. Elle est même d'accord pour t'épouser. Et tu es contente de cette histoire Ouais, bien sûr L'ai-je demandé en mariage Ah, allez, fisto. Arrête d'être aussi entêté. Que ta femme le veuille ou non tu dois épouser une autre femme. Oui. Et Guineca est cette femme. Bon, ma femme est d'accord pour que je prenne une deuxième femme. Est-ce que tu es sérieux Oui. Oh, c'est génial. Guineca est donc disponible. <laughs> oui, mais malheureusement, Guineca ne m'intéresse pas. Ma femme veut que j'épouse sa petite sœur. Que viens-tu de dire Tu m'as bien entendu, mère. Est-ce que tu es folle? Majesté, tu as demandé que je laisse mon mari épouser une autre femme. Là, je suis d'accord et j'ai même décidé de chercher une femme moi-même. Pourquoi penses-tu que je suis folle? Il n'y a qu'une folle qui peut donner sa sœur comme épouse à son mari. Majesté, c'est la seule en qui j'ai confiance. Si je dois vivre dans ce palais avec la femme de mon mari, alors, ça doit être une personne en qui j'ai confiance. T'as vraiment perdu la tête. Majesté, quel était ton plan Était-ce hein? de trouver une autre femme à mon mari et me jeter hors de ce palais C'était ça ton plan Ce n'était pas ça mon plan. Et que veux-tu donc que je fasse M'asseoir là et croiser les bras en regardant mon mari ramener une parfaite inconnue dans notre foyer Quelqu'un qui pourrait m'empoisonner ou même me tuer dans mon sommeil. Qu'en est-il de Guinica Elle t'a dit ses intentions, mais tu l'as chassée d'ici. Guinica est un serpent. Elle était ma meilleure amie, mais elle nourrissait des sentiments pour mon mari. Jamais de mon vivant, je ne pourrais laisser Guinica venir dans cette maison en tant que coépouse. Donc, Akuedo, dans ton petit monde imaginaire… Tu crois que ta sœur ne te trahira pas, bien qu'elle couche avec ton mari? Oui. Et je serai toujours sa grande sœur. Et je ne crois pas qu'elle ferait quelque chose pour me faire du mal. J'ai pris ma décision, ma reine. Et je suis certaine de cela. De grâce à Cuido. ne fais pas ça. Tu vas le regretter pour le reste de ta vie. <laughs> Eh bien, Majesté, je regrette déjà le fait que mon mari doive prendre une deuxième femme. Ok. Supposons juste que la stérilité soit héréditaire dans votre famille. Dis-moi si tu amènes ta sœur et qu'elle ne parvienne pas à tomber enceinte de ton mari. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, c'est un risque que nous devons tous courir. Tu dois venir m'épouser aujourd'hui. Tu dois le faire maintenant. À cet instant. Aujourd'hui, pas demain. Ozu, calme-toi. Qu'y a-t-il Que se passe-t-il S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Mais pourquoi toutes ces questions? Dis-moi, ne veux-tu plus être mon mari? Bien sûr que je vais devenir ton mari. Alors pourquoi n'es-tu pas en route chez ton oncle pour informer tes gens pour qu'ils viennent voir ma famille aujourd'hui? Tu m'as fait promettre de ne pas te mettre à la pression jusqu'à ce que tu finisses tes études. Et j'ai accepté. Mais pourquoi ce soudain changement d'avis? J'ai changé d'avis. Je veux être ta femme. Aujourd'hui, pas demain. Ai-je besoin de m'expliquer pour que tu le fasses? C'est vraiment ça que tu veux? Oui. Ok. Et où vas-tu? Parler à mon oncle pour commencer les préparatifs. Je dois venir chez toi avant la soirée. Juste comme ça. N'est-ce pas ce que tu veux? Oui. Tu sais que je t'aime. Et ce que je veux le plus dans ce monde, c'est devenir ton mari. Même si tu refuses de me dire quel est le problème, je veux commencer tous les préparatifs. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est de rentrer chez toi et m'attendre. D'accord, attends. As-tu encore changé d'avis Non. Alors es-tu prête à me dire quel est le problème Oui. Il s'agit de ma mère. Elle veut que j'épouse le prince. Pardon Quel prince Prince Odinaka. Le seul prince d'Odinaka que je connais est… Oui. Oui. Ta mère veut que tu épouses le mari de ta sœur Non, non. En effet, c'est Akuedo qui veut que, que j'épouse son mari. Et elle me supplie d'enfanter pour elle vu qu'elle n'arrive pas à faire d'enfant. Sa famille royale est décidée à trouver une autre femme pour le prince et elle veut que cette deuxième femme soit moi. Mon roi, majesté. quoi c'est quoi ces rumeurs que j'entends? Mon roi, c'est votre souhait que votre fils prenne une deuxième femme. Oui. Parce que je suis incapable de lui faire un enfant. Et j'ai accepté, mais à condition qu'il prenne ma sœur comme deuxième femme. Écoute-toi parler. Puis-je te poser une question, ma reine? Quoi? Si tu étais à ma place, et qu'on demandait au roi de prendre une deuxième femme. Est-ce que tu l'aurais bien pris Ma soeur n'aurait jamais été une option. Et tu aurais laissé une parfaite inconnue entrer dans ta maison et te tuer dans ton sommeil un jour Majesté, de grâce, mets fin à cette folie. Je suis désolée, mon roi, mais on ne mettra fin à rien. Nous savons tous que mon mari n'acceptera jamais de prendre une autre femme si je refuse de le laisser faire cela. Au lieu de vouloir m'en empêcher, je crois que vous devriez le convaincre d'accepter ce que je lui propose et qu'il prenne ma soeur comme deuxième femme. Ça, c'est de la folie. Une femme qui veut que son mari épouse sa soeur et elle ne se cache même pas de cela. Mon roi, cette fille est bizarre. Ma reine, je ne suis pas bizarre. J'ai déjà pris ma décision et je ne compte pas la changer. Si mon mari m'oblige à vivre dans ce palais avec une autre femme, alors ça doit être ma sœur. Voyons cela du bon côté, hein C'est gagnant-gagnant pour la famille royale. Après tout, une autre femme viendra dans ce palais et sera ma coépouse. Pourquoi ne serait-ce pas ma sœur, hein Eh bien, mon roi, si c'est pour cette raison que j'ai été convoquée, j'aimerais prendre congé. Excusez-moi, Sa Majesté. Et si la stérilité est héréditaire dans sa famille mmh. Alors c'est un risque qu'on devra tous courir. Excusez-moi. Et pourquoi est-ce que tu n'as dit aucun mot Maman, Guido, où est-ce qu'elle est, cette espèce de crève, la faim Où est-ce qu'elle est Votre majesté. Oh, s'il te plaît, arrête ça. Je veux savoir quel genre de mère tu es pour marier tes deux filles à un même homme. Votre majesté, vous parlez comme si c'était une abomination. Oh, alors comme ça tu veux que je crie? Ou alors tu veux que je le dise à haute voix? Je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises que tu es fière de cette décision. Après des années de mariage, ma fille Hakuido n'a pas pu concevoir et par conséquent, elle est obligée par la famille de son mari de lui permettre de prendre une autre femme. Elle est venue me voir avec ce problème et je lui ai dit de prendre plutôt sa sœur. Et c'est l'une des rares personnes à qui elle peut faire confiance pendant ce genre de circonstances. Si vous étiez à ma place, ma reine, vous feriez pareil. Non, pas du tout. Maintenant, je veux que tu annules votre horrible arrangement. Je suis désolée de vous décevoir, ma reine. Mais tant que le prince ne rejette pas ma fille, Osondo, comme choix de deuxième femme, je ne lèverai pas le petit doigt. Je sais que ceci est ridicule. Et je sais que dans d'autres royaume certaines personnes peuvent traiter cela d'abomination. Je veux juste qu'on soit réaliste. Jusqu'à quand penses-tu pouvoir attendre que je conçoive Mon amour, tu as besoin d'une autre femme. Je veux juste que ce soit ma sœur. Je ne veux pas que tu les laisses amener une parfaite inconnue dans notre foyer. Je t'en prie. Pourquoi ai-je l'impression que tu es folle Sérieux, je veux dire, que dirait notre grande communauté Comment prendront-ils cela C'est parce qu'ils ignorent ce que ça fait d'être dans ma position. Je ne veux pas que tu perdes ton héritage, en même temps je ne veux pas que tu apportes une parfaite inconnue dans notre foyer. Alors tu dois choisir. Quoi? Tu ne veux pas que je perde mon héritage, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que je me marie à une autre femme, une étrangère, tu dis. Alors tu dois choisir. Tu dois choisir parce que je refuse et je ne peux pas me marier à ta sœur. Mais comment tu t'attends à ce que je me marie à deux heures? Je ne peux pas faire ça, point final. Tu avais promis de tout faire pour moi. Oui, j'ai promis que je ferais tout pour toi. Et quand je faisais cette promesse, j'ignorais qu'épouser ta sœur faisait partie du package. Si j'avais su, je ne t'aurais pas donné ma parole. Mais mon amour. Je... Euh, S'il te plaît. Akuido. Si je t'avais demandé d'épouser mon ami, Hilo, juste pour un enfant, l'aurais-tu fait? Seigneur, comment peux-tu dire? Mmh, mmh. Écoute, il y a tellement. Écoute, il y a tellement de choses qu'un homme peut supporter. Par amour. Oui, j'ai promis que je faire n'importe quoi pour toi. Mais tu vois, cette idée. Je parle de ta récente folie. Cette dernière folie de ta part est quelque chose que je ne peux pas supporter. Donc, si tu veux la paix dans ce mariage, si tu veux toujours partager mon lit avec moi, alors oublie ça tout de suite. Pitié. Mais grâce, je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît. As-tu entendu ce que je viens de dire? Juste écoute-moi, s'il te plaît. Puis-je te poser une question? Oui. Est-ce que tu m'aimes encore? Ressens-tu encore un seul brin d'amour pour moi? Comment peux-tu poser Oui, je t'aime encore, énormément. Non. C'est faux. Est-ce que tu restes silencieux? Ah, hein? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Depuis qu'Akuedo est parti d'ici, tu n'as même pas dit un seul mot. À quoi est-ce que tu penses? À rien. À rien. C'est juste que je suis d'accord avec son point de vue et c'est tout. Excuse-moi? Oui. Devoir rester là et voir son mari. Épouser une autre femme, cela doit être dur pour elle. Ça devrait être dur pour n'importe qui. Hein? Et comme notre fils n'épousera pas une femme qu'elle n'approuvera pas, il est donc normal pour elle de recommander sa propre sœur. Qui a-t-il de mal à ça? Tu sais à quel point notre fils est têtu. Elle veut qu'il épouse sa sœur? Oui. C'est de la folie. Comment ça, une folie? Elle sait à quel point on est désespéré d'avoir un petit-fils. Et elle finit par accepter que notre fils épouse une autre femme. Sa sœur est également une femme. Donc, c'est gagnant-gagnant pour nous tous. C'est si dégoûtant. Je crois, je crois que ceci est ma faute. Je n'aurais pas dû lui dire que tu, tu es malade. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est si désespérée. Oh. J'aurais dû... Arrête, arrête, allez, arrête ça. Je te demande d'arrêter, s'il te plaît. Écoute-moi bien, Lolo. Si tu oses dire ou faire quoi que ce soit qui poussera Aquedo à, à changer d'avis, de donner un fils à Odinaka, tu comprendras pourquoi tous les rois voisins ont peur de moi. Tu as vraiment intérêt à m'obéir. Parce que je suis ton mari. N'essaie surtout pas. Et je sais que tu dois me haïr en ce moment et je sais que tu dois te sentir trahie à cause de ce que j'ai demandé à ma soeur de faire. C'est pourquoi je t'ai invité personnellement pour te convaincre. Et j'ai un lopin de terre pour toi plus grand et mieux placé que celui que tu as vendu pour sauver ma mère. Il t'appartient et je... Vais... Je vais devoir t'arrêter là. Qu'essayes-tu de faire là Je sais ce que tu ressens. Je sais que ma soeur est importante pour toi. Et comme je veux la séparer de toi, je, je veux juste être sûr que tu seras heureux et toujours un bon ami de la famille. En d'autres termes, tu veux acheter aux douce chez moi. Oh non, non loin de là. Je veux juste la voir ici. Nebolisa, c'est la seule en qui j'ai confiance. Parfois, je me demande si tu as pensé à ce que j'allais ressentir avant de faire cela. Cette histoire me donne envie de vomir sérieusement. Eh bien, je suis désolée pour ça. Mais comme le dit le dicton, toute bonne action mérite une récompense. Je sais que ta mère est très malade. Écoute, je, je ne veux pas que tu te sentes insultée. Je veux juste que tu comprennes que j'essaie juste de t'aider. Et si je te disais de prendre tes bonnes intentions et de les enfoncer dans ta gorge en allant en enfer? Je sais que tu as cours d'argent actuellement, Néboulissa. Mais écoute-moi. Je suis prête à donner à ta mère les meilleurs soins médicaux que l'argent puisse fournir. J'aimerais aussi bien vous lotir. À l'endroit de ton choix, dis-le-moi. Je fais le vœu de m'assurer que tout soit mis en place. Je veux juste que vous soyez au petit soin. Et je ne veux pas te laisser non plus les mains vides. Tu sais quoi? La raison pour laquelle j'ai accepté de venir ici était seulement par curiosité. Mais en te regardant dans les yeux et en sachant pourquoi tu fais cela. J'ai cru que c'était le monstre en toi. Mais là, j'ai fini par réaliser que c'est toi le monstre. L'ébolissa, pitié. Je t'en prie, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je crois que je dois prendre congé de toi maintenant. Avant que je ne fasse quelque chose que nous deux regretterons probablement. Et si j'étais ta sœur, qu'aurais-tu voulu que je fasse? Je ne donnerai pas ma sœur à ton mari. Et je ne donnerai pas mes deux sœurs à un même homme en mariage. Réfléchis-tu même avant de parler. Dis-moi. Euh. Euh. Je m'excuse. Je crois. Je crois que je viens de réaliser ce que j'ai dit de mal dans cette conversation. Que tu dis demain? Oui. Donne-moi ton prix. Vas-y, dis-moi ce que tu désires plus que ma soeur dans ce monde, en ce moment. Et je jure que je te le donnerai. En ce moment? Oui. Tout ce que je désire et souhaite, c'est que toi, tu ailles brûler en enfer. Je vois que la nouvelle est déjà répandue partout. Mais tu sais qu'on ne peut laisser ça arriver? On ne peut pas? Que crois-tu que je faisais tout ce temps? Me coucher et poser les pieds sur la table? Akuto a fini par devenir folle. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mais le prince est-il d'accord avec ça? Non, pas pour l'instant. On doit absolument tout arrêter. On doit le faire. On doit saboter tout ceci. Comment Oui. Tu te <laughs> trompes. Je veux dire, tu penses à la mauvaise solution, le mauvais moyen. Tu dois juste enlever ça de ta tête parce que je ne ferai pas une chose pareille. Je ne vais pas me marier à une autre femme. Jamais je ne ferai cela. Merci. Merci. Il n'y a qu'une solution à ton problème. C'est de... d'épouser une autre femme. Que tu es marié depuis cinq misérables années sans enfant. Ou que tu es finalement devenu un futur roi sans héritier. Odinaka, je ne crois pas qu'on ait d'autre choix. Il est évident que je ne peux pas te faire un enfant et tu ne peux plus attendre trop longtemps. S'il te plaît, épouse ma soeur. S'il te plaît. Mon prince. Qui t il C'est la reine. Mère Que s'est-il passé euh, C'est à propos du roi. Quoi Mère Fiston, s'il te plaît, viens avec oh. moi. Par ici. Il est ici. Ici, ici. Entre. Qu'est-ce que ça veut dire Que signifie toutes ces bêtises Donc, tu as comploté avec ma mère pour m'amener ici. Hein. <laughs> Et dans quel but Prince Odinaka du royaume d'Oumuési. Non, fantasme, depuis tant d'années, n'es-tu pas content de m'avoir sur un plateau -or en or Tu séquestres un prince dans son propre palais. Et tu oses sourire. N'aimes-tu pas ce que tu vois? Hum On est dans un monde complètement différent. Juste toi et moi. Prends-moi. Fais Arrête. tout ce que tu veux. Arrête. Je écoute, suis tout écoute. Toi. Ma mère et toi m'avaient poussé à bout. Mais je vais te montrer que je dirige ce palais. Mais que, 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 que sais-tu de faire Mon prince Allô Écoute-moi. Va au sous-sol et allume l'ampoule. Ok Tu verras la clé passe partout accrochée au mur. Prends cette clé et viens ouvrir la chambre 16 urgentement. Je veux dire immédiatement, c'est-à-dire maintenant Que... Tout de suite Mais... Mon prince, tu ne peux pas faire ça! on a même mon cœur, rien fait! Lâche-moi! Toute ma vie, après tout ce que j'ai fait pour toi et ta famille, je n'ai jamais rêvé ou imaginé que je recevrais ce genre d'insultes que j'ai reçues aujourd'hui. Mon amour, que s'est-il passé? Parle-moi! Mon cœur. La vérité à propos de tout ça, c'est que je ne peux pas t'ouvrir la vie confortable que tu auras si tu épouses le prince. Et tu sais, le roi est pratiquement le propriétaire de ce royaume. Il reçoit tous les revenus et les entrées de ce royaume. Je ne suis pas de taille devant la famille royale. Je ne fais pas le poids face à l'argent royal. Mon amour, mais d'où sors-tu tout ça et pourquoi parles-tu ainsi Tu sais que je t'aime, Ozo. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour te rendre heureuse. C'est pourquoi je veux que tu réfléchisses à tout ça. Tu verras la différence entre m'épouser et vivre avec le prince au palais. Tu sais à quel point je me bats pour t'assurer cette même vie dans un futur prochain. Mais ça n'arrivera jamais. Même si je t'épouse aujourd'hui, si je t'épouse maintenant, je ne pourrai t'offrir cette même vie. Néboulissa, je t'aime. C'est tout ce qui compte, et c'est tout ce qui comptera pour toujours. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, et je t'aime aussi. Mais j'ai besoin que tu réfléchisses à ça. Tu sais, ce n'est pas une relation simple. On parle de mariage ici, pour le meilleur et le pire. S'il te plaît. S'il te plaît. De quoi est-ce que tu parles Pourquoi me dis-tu ça Pourquoi me dis-tu toutes ces choses De grâce, je veux que tu réfléchisses bien à ça. Je t'en supplie. Je vois que tu es folle. À quoi tu penses exactement Que tu peux m'enfermer là-dedans avec cette fille si C'est bon... ça Comment as-tu fait je... je pensais avoir fermé la porte. J'ai oublié que je suis le prince de ce palais. Et je connais tous les coins et les recoins de ce palais. Il est impossible que tu me retiennes otage ici. Où est guinéka Pourquoi ne pas dire ta partenaire du crime je comprendrai beaucoup mieux. Où est-ce qu'elle est? Elle est en détention. Cette fois, ma détention. Et elle va rester là-bas jusqu'au soir. Pourquoi est-ce que. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ah ah! Gynika. Gynika. Je suis le prince et j'ai la clé passe-partout. Tu n'es que la Lola. Tu n'as rien du tout. Je vais te donner une leçon. Garde 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 Que quelqu'un m'aide Garde « Je t'en prie, bébé, je t'en prie »« Qu'ai-je fait pour mériter ça ?»« Pourquoi Guido et toi avez décidé de ruiner ma vie Pourquoi ?»« ben Aujourd'hui, Nébolissa m'a laissé tomber. Il est parti sans regarder derrière. »« Il est parti Mais c'est une très bonne nouvelle. »« Si Nébolissa est parti sans toutefois regarder derrière, ça veut dire que tu as un merveilleux plan pour nous. » Quel plan, maman! Le mari de ma soeur! De devenir nette et m'épouser, c'est le plan! Osondou Tu ferais mieux de prendre du temps et de penser à toi-même. Tu ferais mieux de penser à ton futur et à celui de tes futurs enfants. Osondou, pour une fois! Réfléchis! À quoi d'où? À quoi d'où elle va mourir? Elle va mourir, hein? maman! Maman Je n'arrive toujours pas à croire qu'Ako est de se suicider à cause de ce sous là Espèce de fille sans cœur. Tout ceci, c'est de ta faute. De ma faute Comment moi qui lui ai demandé d'aller se suicider. Si tu lui as fait accorder ne serait-ce que son seul fait, Elle n'aurait pas fait ça. Écoute, maman, prions juste. Prions simplement pour que les docteurs <laughs> réussissent à la réveiller ou autre. Cesse de me blâmer, ça ne va rien résoudre. J'arrive pas à croire qu'elle ait voulu se tuer. Remercions les dieux qu'elle a survécu. Pourquoi Pourquoi Mais père, pourquoi Je 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 savais pas qu'elle était si malheureuse. Eh bien, pour une femme dans sa situation, c'est normal qu'elle souffre beaucoup intérieurement. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit J'imagine qu'elle voulait te donner un héritier, tout comme je le veux. En épousant la sœur. De ma femme Non. Odinaka, mon fils, à ce niveau, il ne s'agit plus du tout de ce que tu vas faire ou de ce que tu ne vas pas faire. De ce que tu peux faire ou de ce que tu ne peux pas faire. Écoute-moi. Moi, ton père, je suis sur le point de perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé durant ma vie entière. Père. Dois-je te rappeler que tu es mon unique enfant, Odinaka? Dis-le-moi. Non. Bien. Maintenant, s'il m'arrive quelque chose et que tu n'es pas encore déclaré héritier, la royauté quittera cette famille pour une autre et pourrait ne jamais revenir. Est-ce là ce que tu veux? Non. Non. Alors, ne nous laisse pas perdre cela. Maintenant qu'on peut encore la sauver. Je sais que pour toi, ça ne signifie absolument rien parce que tu as de l'argent, mais mon cher, c'est une chose d'avoir de l'argent. Et c'en est une autre d'avoir le pouvoir. Et il n'y a rien de mal d'avoir les deux. Pense-y. Ma fille de marier à Neboulissa ne rendra pas toute sa fille meilleure. Au contraire, ça ne fera simplement qu'ajouter ses problèmes parce que Neboulissa a aussi sa mère dont il doit s'occuper. Il t'aura toi, plus le nombre d'enfants que tu accoucheras. Tu peux lui offrir une meilleure chance. Une chance de rendre sa fille meilleure pendant que tu sortiras ta sœur d'une situation précaire, l'amour consiste à faire des sacrifices, n'est-ce pas si tu aimes cette personne alors pourquoi ne te sacrifies tu pas pour elle même Népolis a fait tellement de sacrifices pour notre famille. Et je ne l'oublierai jamais, crois-moi. Je sais très bien ce qu'il a fait pour nous. Et je lui suis grandement reconnaissante. Mais reconnais la vérité. Reconnais-le. N'est-ce pas la meilleure occasion pour lui être reconnaissante Ton unique sœur a failli mourir aujourd'hui, tu le sais très bien. Et la mère de Népolis... Est sur, le point de, est sur le point de perdre sa vie. Ta sœur a besoin de toi et Nebo beau, aura beaucoup à gagner si tu choisis de ne pas l'épouser. Alors réfléchis comme une femme qui est sortie de mon ventre. T'as perdu la tête, Guinica? Tu m'as laissé là pendant ces bonnes heures. Je suis désolé, j'ai eu un imprévu et je devais le regretter. Ça suffit. Je veux juste rentrer chez moi. Je suis désolé. Pour ton information, je ne suis plus officiellement intéressé par ton fils. Il est un monstre. Oh non, oh, s'il te plaît, guinée Guinica, s'il te plaît. Tout va bien. Tout ce dont elle a besoin maintenant c'est du sommeil. Ne vous en faites pas, elle ira bien. Merci beaucoup docteur. Heureusement que vous l'avez trouvée à temps. Je dois partir maintenant. N'oubliez pas de m'appeler s'il y a des complications. Je le ferai sans faute. D'accord, prenez soin d'elle. Ma fille, euh, voilà la situation. D'accord. Mon roi, si je dois le faire, j'ai quelques conditions à vous poser. Vas-y, je t'écoute. Mon roi, vous n'allez faire aucune offre à Nebolissa car il ne l'acceptera pas. Vraiment Oui. Mais vous l'aideriez, mon roi. Je veux que vous utilisiez vos relations de roi pour l'aider. Sa mère malade doit être soignée, et je veux que Nébolissa croit que l'hôpital le fait gratuitement. Ses affaires doivent prospérer, et il croira que c'est juste de la chance. Mon roi, Nébolissa a vendu son seul terrain pour sauver ma mère quand elle fut diagnostiquée d'un cancer du sein, et ma famille n'a pas été capable de le rembourser. Pitié, mon roi, vous devez lui faciliter la tâche dans sa vie. C'est d'accord, je, je comprends bien ce que tu veux faire. Hmm? Je me charge de faire tout ça. Mon roi, tant que je resterai dans ce palais, Néboli, ça doit être prospère et heureux, peu importe où il se trouve. Marché conclu. Hmm? Crois-moi, marché conclu. Autre chose, mon roi. Je veux que ce marché soit officiellement rédigé. Je veux qu'il soit signé et cacheté. C'est tout ce que je demande à la famille royale. C'est entendu, je, je donnerai des instructions sur le champ. Et demain matin, tous les documents seront prêts. Tu n'as pas du tout à t'en faire, hein Tu es entre de bonnes mains avec nous, hein Merci. C'est bon. T'ai-je dit récemment que je t'aime. Tu me dis cela tout le temps. Et j'adore quand tu me le dis. Je t'aime aussi. Tu sais que tu es ravissante. <laughs> je sais. <laughs> tu deviens de plus en plus belle chaque jour. Et tu ne cesses de me dire de belles paroles. Merci. Dis-moi. Quand irais-tu faire du shopping C'était quand la dernière fois que as acheté une nouvelle robe, des nouvelles chaussures <laughs> et des nouvelles mèches <laughs> Ah, ça moi ou bien quelqu'un a des idées derrière la tête En fait, j'ai vu un nouveau centre commercial en ligne. Ouais. Oh. Crois-moi, va. tu vas adorer leurs articles. Tu vas adorer. Ok. Et que veux-tu dire en gros euh, eh bien, je veux dire que ce que je veux dire, euh, euh, ce n'est pas un crime d'imaginer ma femme dans une superbe <laughs> robe que j'aimerais vraiment. De plus, si c'est pas toi, qui d'autre Ok, je vais juste te poser une seule question. Laquelle Est-ce que tu te sens coupable d'avoir épousé ma sœur Pardon <laughs> Oui. Parce que ça fait déjà plus de mois et tu me couvres d'attention. On dirait que c'est notre deuxième lune de miel. Ne te méprends pas, je. Je veux dire, ta sœur. Oui, ta sœur est une très bonne femme. Mais c'est toi que j'aime. Je sais que. Mère. Odinaka. Puis-je avoir une conversation avec toi en privé? Mère. Euh, C'est bon. Ça ira. Votre Majesté. Mère, qu'y a-t-il C'est à moi de te poser cette question. Pardon est-ce que tu réalises vraiment que tu as une nouvelle femme qui est enceinte de toi et que cette femme a besoin de ton attention? Mère, je ne comprends vraiment pas où tu veux en venir. Mère, j'ai tout mis en place. J'ai pris toutes les mesures possibles pour m'assurer qu'Ozondo soit à 100% confortable dans ce palais. Et tu le sais. Et tu crois que c'est une chose suffisante? Pourquoi est-ce que tu ne lui construis pas une nouvelle maison? et remplir cette maison de nombreux serviteurs. Vu que tu trouves euh, que sa présence n'a aucune importance pour toi dans cette maison. Mère, je ne comprends toujours pas où cette conversation va aboutir. Ta femme a besoin de te voir. Ma femme, c'est Akuido. Et pareil pour Ozondo. Je te rappelle que c'est elle qui est enceinte. Eh bien, mère, je ne sais pas comment te faire comprendre ceci, je ne sais vraiment pas comment t'expliquer cette situation, mais je vais aller droit au but pour que tu me comprennes. Ozondo a été amenée dans ce palais pour une raison. Une seule raison. Qui est de me faire un enfant. Et maintenant qu'elle est enceinte, mission accomplie. Akuido est ma femme. Elle a été amenée dans ce palais en tant que ma femme, et passera le reste de sa vie avec moi. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Mission accomplie. Lolo et Hum? Où est-ce que Oh, Guene, calme-toi et explique-moi quel est le problème. Le docteur t'a conseillé d'arrêter de te mettre en colère à cause de ton cœur. S'il te plaît, calme-toi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Mon roi, ton fils me rend vraiment malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Si t'avais vu comment les deux s'amourachaient sur le canapé... On dirait deux, deux lycéens. Et cela te pose un problème Dis-moi, sa femme est enceinte, alors il doit s'amuser avec l'autre. Hein Lolo, alors c'est tout ce qui te dérange Juste ça Ton problème, c'est que tu ne me laisses même pas d'abord terminer avant de venir à la crucification. Laisse-moi terminer. Ok, ok, termine. Termine. Il n'était pas en train de jouer avec euh, la pauvre Ozondo, mais plutôt avec cette stérile Dokuado. Hmm? Ouais, pendant que Ozondo était à la cuisine à cuisiner comme une, une servante. Tu es sérieuse Oh Maintenant tu comprends déjà ce que je veux dire. Ce qu'il fait à cette fille n'est pas juste. Mon roi, tu devrais lui parler. Il n'est pas du tout juste envers cette fille. Quelque chose doit être fait. S'il te plaît, parle-lui. Qu'est-ce qui ne va pas chez Odinaka? Qu'est-ce qui cloche chez lui? Je suis désolé, ta colère est justifiée. Hmm? C'est vraiment très injuste de sa part. Uh -huh. Très inhabituel. C'est pour ça qu'elle s'occupe toujours à faire quelque chose. Pour ne pas ressentir le fait que son mari la laisse. Hmm. S'il te plaît, parle-lui. Hmm. 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 Je le ferai. Oh Ozondo, accord. Mm -hmm. Le repas est prêt. Oh, dois-je te l'apporter ici ou tu iras manger à l'intérieur? Ozondo, tu as cuisiné? Oui. Encore? Oui. vais je arrêter de cuisiner pour ma sœur? Ozondo, dans cet état, tu es folle? D accord, je suis enceinte et pas malade. De plus, il n'y a rien de malade à la cuisine. Préparez ce que je veux, comme je le veux. Ok. Écoute-moi bien, je vais être très claire. Il y a des servantes dans ce palais qui peuvent te donner tout ce que tu veux. Si tu voulais manger quelque chose de spécial, tu aurais dû me voir. Je serais allée à la cuisine le préparer pour toi. Et vu qu'on a appris à cuisiner de la même personne, euh, comment puis-je laisser ma grande sœur cuisiner pour moi alors que je suis censée cuisiner pour elle Ok, tu recommences. Mm -hmm. Combien de fois suis-je censée te le dire Je te l'ai déjà dit. Si tu veux déménager, des cuistots, des servantes, peu importe, tout ce que tu as à faire, c'est demander. Et le palais te donnera toutes choses nécessaires que tu veux. Oui, oui. oui, oui. Que ton repas est prêt. Je vais juste aller me servir à la salle à manger. J'ai mal aux pieds. Je vais aller me reposer un peu. Bien sûr que tu as besoin de repos. <laughs> Je vais boire ça. Ok, ok. Tu ne peux pas prendre d'alcool. Ce n'est pas bien pour le bébé. D'accord. Très bien. <laughs> Je croyais que les femmes enceintes étaient censées être paresseuses. Pourquoi celle-ci travaille autant Arrête <laughs> Ok, je vais manger. Mais je ne veux pas que tu me serves à manger. Je le ferai moi-même. Ozondu. <laughs> Père, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien à tout ça. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire Créer un problème entre Ozondu et moi Ozinaka, assieds-toi. Non, père, c'est énervant. Tu dois lui parler. Dis à mère de s'occuper de ses affaires. Tu dois vraiment faire ça. Je t'ai dit de t'asseoir, Odinaka. Assieds-toi. C'est un ordre. Sérieux, qu'elle me laisse tranquille. Qu'elle me laisse vivre ma vie. Et qu'elle me donne mon espace à moi. J'aime pas ce qu'elle. Ozone de porte de ton enfant. Et alors Elle a besoin de toi. Père, elle a tout. Elle a tout ce dont une femme a besoin dans ce monde. Vraiment? Oui, elle a tout. Elle a tout ce dont une femme enceinte a besoin dans ce monde. Oui, c'est si elle a un problème, qu'elle de me le dire. Qu'elle me le demande et je le lui donnerai. <laughs> tu es sans doute encore un enfant. Bon, très bien. Si je te demande de me citer les choses dont une femme enceinte a besoin, qu'est-ce que tu répondras? <laughs> eh bien, je, 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 je dirais tes vêtements tes habits de bébé du confort de l'argent c'est ça des palais des voitures hmm? et tu as oublié cela <laughs> écoute toutes ces choses sont des biens matériels et cette femme les avait avant de tomber enceinte ce dont toute femme enceinte a besoin plus que toute autre chose dans ce monde c'est l'affection, une attention absolue et illimitée. À la mère de ton enfant. Père, Ozondo ne s'est jamais plaint. <laughs> Laisse-moi rire. Tu t'attends à ce qu'elle se plaigne, hein? Tu n'es qu'un enfant. Allez, n'as-tu pas remarqué que, malgré le fait que tu te sois marié avec elle, elle continue à respecter et adorer sa sœur? Donc, la dernière chose que tu la verras faire, c'est d'insister d'avoir une attention de ta part. Ne comprends-tu pas cela Père, mère et toi, vous rendez cette histoire plus grave, plus grave qu'elle ne l'est. Je ne comprends pas. Écoute mon fils, écoute la voix de l'expérience. Je sais que tu aimes Akuido et que tu voudrais être avec elle tout le temps. Mais Osundo est et restera la mère de ton enfant. Alors le moins que tu puisses faire pour elle, c'est de temps en temps lui apporter de l'attention. Ça ne te coûte rien. Pas du tout. Écoute mon fils. La façon la plus efficace qu'un homme de s'assurer que son fils soit sa copie conforme, c'est de pratiquement s'attacher à la mère de cet enfant pendant la grossesse. Et si possible, Fais-lui l'amour régulièrement. Tu es sérieux, là Oh oui Père, tu es Fais vraiment oh, sérieux bien sûr que je suis sérieux. Tu veux que je fasse l'amour à une femme enceinte C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Hmm. Ainsi, elle accouchera bien. Fortifie ton enfant. Hmm? Écoute. Si tu abandonnes ta femme enceinte et que tu ne la touches pas, deux choses vont se passer. Soit elle mettra au monde un enfant prématuré, ou alors elle accouchera un imbécile. Est-ce vraiment là ce que tu veux de cette famille royale Réponds-moi. Votre Majesté, bon après-midi. Je t'ai dit de ne plus m'appeler Votre Majesté. Je m'appelle Odinaka. Oui, je me souviens que tu me l'as dit plusieurs fois, mais je n'arrive pas à m'imaginer t'appeler par ton nom. Tu es mon mari, même comme tu n'as pas mon temps. Eh bien, c'est à cela que je veux remédier maintenant. Tu es ma femme. Tu devrais toujours être à mes côtés. J'aime Je... ça. Bien. J'ai demandé qu'on nous prépare quelque chose de délicieux. J'espère que ça ne te dérange pas. Ah, pour nous Oui. Pour nous. Oui. <laughs> J'aime ça. Ça te plaît Eh bien, ça me plaît aussi. <laughs> Ah, oui, je suis Ma amour. princesse. As-tu vu mon mari? Oui, ma princesse. Es-tu au courant que le dîner est servi? Oui, ma princesse. Il a demandé qu'on le serve dans la chambre de la princesse Ozondu. Vraiment? Oui, ma princesse. Tu veux dire qu'il y est actuellement? Oui. Ok. En réalité, je ne suis pas un homme très bavard. Mais je peux juste te dire que tu es vraiment tôt pour moi. <laughs> tu me rends très heureuse en me disant ces belles paroles. Et tu me rends encore plus heureux quand je pense à quel point tu es fertile. Juste un seul rapport. Un seul rapport. <laughs> tu portes mon enfant. Il y a très peu de femmes qui sont si fertiles. Et c'est pour cela que je vais toujours... Toujours t'aimer. <laughs> Chérie, chérie, es-tu dans la salle de bain Chérie, il est encore parti. Que se passe-t-il Ma princesse, vous m'avez appelée. Oui, c'est vrai, Chiwendu. De toutes les servantes du palais, tu es la chef. Et tu es la seule à qui le roi s'adresse pour les affaires domestiques. Oui, oui, ça a toujours été mon travail. Et je m'y plais vraiment. Il y a quelque chose de bizarre dans ma relation avec mon mari. Elle semble s'être trop attachée à ma sœur. Es-tu au courant d'une quelconque discussion qui s'est tenue en mon absence? Ma princesse, on nous a ordonné de ne plus la traiter comme votre petite sœur, mais comme une princesse du palais. Et nous devons la traiter comme telle qui a donné cet ordre. Euh, où est mon mari? Oh, il est dans la chambre royale avec la princesse. Il lui a demandé d'y rejoindre. Et d'après ce que je vois, ils semblent bien s'entendre tous les deux. Tu euh... peux partir. Prépare-moi une tasse. De café noir. Ma La princesse... Très Odinaka, tu n'iras nulle part. On doit discuter. Que se passe-t-il Eh bien, j'ai installé cet appareil de Dim dans le palais parce que j'en avais vraiment besoin. Y a-t-il un problème avec. Je veux dire, ça te dérange que je le fasse avec ta sœur Oui, il y a un problème. Je me demande toujours, c'est quoi ce soudain changement d'attitude et ce détournement d'affection Un instant d'après, tu me couvres d'attention et l'instant d'après, tu le fais avec l'autre femme. L'autre femme Oui. Et parlons de ça. Ozundo doit quitter ce palais. Je te demande pardon. Oui, tu m'as bien entendu. Elle n'a rien de plus à faire ici. Elle sera plus utile à ma mère chez elle. Tu sais qu'elle est aussi mariée avec moi. Odinaka, tu sembles oublier que la seule raison pour laquelle Ozundo est venue dans ce palais était pour te faire un enfant. Maintenant, elle est enceinte. Elle a fait sa part. Que fait-elle encore ici? De plus, il lui reste juste quelques mois pour accoucher. Elle peut le faire chez maman. Akuido, essaies-tu délibérément de me provoquer? Essayais-tu délibérément de me provoquer quand tu as quitté notre chambre pour aller dans sa chambre? J'ai même une question. Qu'est-ce que ta mère t'a dit l'autre jour quand elle nous a interrompus de façon impolie en disant qu'elle veut te parler en privé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, hein? Depuis quand tu commençais à écouter ta mère au point de laisser ta femme pour une autre femme? Akuido, au départ, c'est toi qui as commencé tout ça. C'est toi qui as commencé. Eh bien, j'ai réalisé que c'était une grosse erreur. Je veux qu'Ozundo parte de chez moi. Je veux la paix. Au départ, c'était mon idée qu'elle vienne ici. Et c'est aussi mon idée qu'elle s'en aille d'ici. Je vais te faire atterrir, ma chérie. Tant que cette femme portera mon enfant, elle n'ira nulle part. Akodou, as-tu perdu la tête? Maman, la raison pour laquelle j'ai voulu qu'Ozundo épouse mon mari était qu'elle tombe enceinte. Eh bien, elle a finalement fait. Et je veux qu'elle parte de chez moi. À Kuedo, où Osondou est marié à ton mari. Pas à l'église, pas à la mairie, pas légalement, seulement dans ces foutaises de mariage traditionnel. Et c'est alors là où tu as tort. Il n'y a rien de plus valable que le mariage ah, traditionnel. Le mariage, c'est le mariage. Et ce mariage que tu traites de foutaise et... est plus sacré que le mariage des blancs que les gens comme toi ont tendance à encenser Je ne suis pas d'humeur pour tes sermons, là. Je suis celle qui est légalement mariée à mon mari. C'est reconnu à la mairie et c'est bien valable. Je veux que quitte la maison de mon mari. À quoi et Mais qu'est-ce qui te prend pourquoi ce soudain changement d'attitude Tu étais très contente quand ton mari a épousé Ozondo, plus encore quand elle est tombée enceinte. Rectificatif, maman. Je n'ai jamais été contente. Aucune femme n'est jamais contente quand son mari prend une deuxième épouse. J'ai juste trouvé le moyen de m'adapter à une très mauvaise situation et j'ai su faire semblant. Là où Ozondo ira en partant de chez moi, qu'elle vienne ici ou oh non, ça te regarde. À Kondo. Pourquoi Qu'est-ce qu'Azondo a exactement fait pour mériter ce genre de traitement de ta part Comploter, manigancer et essayer d'éloigner mon mari de moi, voilà d'un. Et tomber enceinte, et me narguer avec deux deux. Ne pas se mêler de ses affaires et refuser de rester dans son propre aile du palais, c'est la goutte d'eau, maman. Mon Dieu, à quoi est doux. Quand es-tu devenu un tel monstre Je ne suis pas un monstre, maman. J'essaie juste de sauver mon foyer. As-tu oublié le grand sacrifice qu'Ozondo a fait pour toi De quel sacrifice tu parles, maman Qu'elle soit partie d'ici, venue dans la maison de mon mari, tombée enceinte, c'est ça que tu appelles sacrifice Si tu ne viens pas mettre Ozondo hors de la maison de mon mari, je comploterai pour la faire partir de là. Le choix te revient. À quoi est si tu réussis à humilier Ozondo, qui n'a rien fait d'autre que d'essayer de te rendre la vie meilleure, quoi qu'il en résultera, ce sera à toi de faire face. <coughs> Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le choili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tuy, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées. Ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing.aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19, précédé du code. Plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforez-vous le guichet unique pour tout divertissement.